Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. On se retrouve donc aujourd'hui avec deux élèves qui sont particulièrement intéressés par cette question de la taille. Donc Théo et Quentin qui vont procéder avec nous à la taille de ce magnifique Dodzia. Ici, il s'agit d'un Dodzia hybride, probablement du cultivar Montrose. Il n'y a plus de fleurs dessus, j'en vois pas, mais ah voilà, on voit encore que c'est un peu rose effectivement. Et on retrouve ici donc toutes les inflorescences fanées, voilà. Hein, on est ici fin juin et donc la floraison qui était assez durable d'ailleurs de ces arbustes est terminée maintenant et c'est le moment de tailler. Donc encore une fois, la taille arbustive systématique en hiver, vous le savez tous les deux, hein, c'est pas un modèle à suivre, pas du tout. Et il convient de procéder à la taille de ces arbustes là qui fleurissent sur le bois de l'année précédente et bien maintenant juste après la floraison. Donc fin juin c'est l'idéal pour tailler ces arbustes. Ce sont des arbustes qui sont sur un modèle de croissance assez courant hein, chez les arbustes. Il s'agit de la basitonie. Hein, ces arbustes sont donc basitones, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à pousser plutôt depuis la base, hein, près du sol. Basitone à rameau médian, c'est-à-dire que généralement, c'est le cas de celui-ci, vous voyez, par rapport au rameau principal qui est ici. On a ce rameau ici qui s'est développé à peu près à mi-hauteur, quoi, hein. Voilà, il avait été retaillé ici, mais voilà. Donc à peu près à mi-hauteur des rameaux de l'année précédente va se développer le futur rameau principal. Et on va voir ensemble donc maintenant quelle est la manière de tailler correctement ces arbustes-là. Alors la première chose à faire, c'est de distinguer, vous le voyez bien ici, le vieux bois, on le reconnaît très bien à son écorce, donc qui d'ailleurs perd un peu de, voilà, qui va un peu tendance à partir comme du papier. Distinguer donc ce vieux bois du bois très très jeune, comme celui-ci. On a ici un très très jeune rameau et le travail va consister très simplement, il n'y a rien de bien compliqué, à encourager le développement de ce jeune bois qui va supporter l'induction florale et les fleurs donc de l'année prochaine, et de rajeunir la plante en supprimant le vieux bois qui lui a priori a bien peu de chances de fleurir de nouveau. En même temps, on va effectuer une taille qu'on pourrait juger un petit peu sévère, mais c'est aussi l'occasion de favoriser le repersage depuis la souche. Et on le voit ici, là, on a des jeunes rameaux là ici qui sont en train de redémarrer complètement à la base de la plante et qui vont assurer la floraison future là encore, quoi. Voilà. On y va les gars, c'est parti. Qui est-ce qui s'en occupe? Quentin. Allez, c'est parti. Donc là, concrètement, Quentin supprime, voilà, avec une belle coupe en biais, hein, de manière à respecter la plante au niveau voilà, des précipitations notamment, et puis il ne faut pas que l'eau s'accumule. Alors, une particularité du Dodzia d'ailleurs qui peut aider à le différencier du Philadelphus, le bois est creux. Hein, le bois est creux ici, hein, voilà, ça c'est une particularité du Dodzia. Et il a donc, voilà, conservé ce jeune rameau, comme je le disais tout à l'heure, qui portera des fleurs l'année prochaine. T'es sûr? Tu vois, hein, ouais, c'est vieux, c'est moche. Ouais, il tombe fort. Allez, on l'enlève. C'est bien, tu as raison. Prends bien la base de ton sécateur. Attention de ne pas esquinter la jeune pousse qui est derrière, dont on a besoin. Vas-y, voilà. Voilà, alors. On n'hésite pas à enlever des branches assez importantes, parce qu'il faut aussi, eh bien, rééquilibrer la plante, hein, et essayer de la ramener dans un port le plus proche possible de son port naturel. Tu vois rien redémarrer dessus? Non, ça reperce pas. De toute façon, t'en as deux jeunes qui vont prendre. Je pense que tu peux l'enlever celle-là, ouais. Voilà. Allez, de la force dans le poignet.
Voilà, super. Bon, ça peut paraître sévère au premier abord, hein, mais voilà, c'est un rameau qui a déjà tenu sa fonction. Et puis, encore une fois, ça va être relayé par d'autres rameaux. J'ajoute que ces rameaux-là qui sont complètement recépés, hein, qu'on va ramener vraiment à la base, vont favoriser, encore une fois, l'apparition, sans doute, de branches toutes neuves issues du sol au niveau de la souche. Hein, voilà, on y va, Quentin, on continue. Alors, intéressant, ouais, vas-y. Voilà. Donc intéressant effectivement d'avoir coupé ce rameau-là, puisque on voit la couleur ici un peu rougeâtre de ce rameau. Bah finalement qu'il n'est pas si vieux que ça encore, et on peut le conserver. On ne va pas garder que des rameaux qui n'ont pas encore fleuri. Hein. On peut garder également des rameaux juste de l'année dernière qui pourraient reporter des fleurs à nouveau l'année prochaine. Voilà. Donc le but, c'est de débarrasser l'arbuste de son plus vieux bois, mais pas strictement de tout ce qui a fleuri cette année non plus. Hein, voilà. Tu gardes ça, ouais. Et t'enlèves. Ouais, ok, ça va. Voilà, ça marche. Encore un tout petit peu de travail sur celui-là. Ouais, vas-y, ça me paraît très bien. Attention ici à ça. Ça, j'aimerais qu'on le garde là. Tu vois, ouais. Ouais, et puis la tête là, au-dessus. Ouais. Voilà, très bien. Très très bien. Voilà. Alors, on en est où? On fait un point, on regarde un petit peu où on en est à ce stade-là. Ça paraît pas mal. On va pas complètement le déshabiller non plus. Il n'y a pas de bois mort. J'en vois pas tellement. Non, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, on se retrouve avec deux types de rameaux. Donc, ceux qui n'ont pas encore fleuri, en voilà un autre ici. Et des rameaux qui ont porté quelques fleurs cette année, mais qui sont encore relativement jeunes. Ces rameaux-là, on va les raccourcir maintenant. Je dirais, on va supprimer environ 2/3, en espérant que, là encore, il y ait des jeunes pousses. À cette période de l'année, c'est encore possible, hein, surtout après cette opération de taille qui va stimuler la plante. En espérant donc que des jeunes pousses redémarrent de la base de ces rameaux-là et prennent la même allure que ceci, c'est-à-dire soient très jeunes et âgés d'un an, hein, au moment de la floraison prochaine, et donc portent des fleurs. On y va, tu peux donc les raccourcir ceux-là. Tu vois ici, à peu près cette longueur-là. T'es satisfait de ce que t'as fait ? C'est bien. Moi, dans l'état, ça me paraît plutôt intéressant. Il faut comprendre aussi que ce sont des vieux arbustes que j'ai récupérés il y a 3 ou 4 ans pour les remettre ici en place. Et en fait, quand j'ai connu ces arbustes, je ne savais même pas de quelle couleur ils fleurissaient. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils étaient systématiquement taillés l'hiver. Et donc la floraison de fin de printemps de l'année suivante était anéantie, tout simplement. Donc il suffit de les requalifier, de les reprendre un peu en charge, de les traiter de la bonne manière. Et ça, ce sont des arbustes dont je m'occupe depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et bah, vous l'avez vu, hein, voilà. Taillé de cette manière, ben voilà, hein, y a une floraison qui est absolument garantie, hein, sans problème. Hein. Les Dodzia sont des arbustes extrêmement florifères. Une chose aussi importante, Quentin nous propose cette taille, encore une fois, que je valide, hein, sur un plan technique qui me paraît tout à fait correct. Si c'était Théo, son collègue, qui s'était occupé de cet arbuste, il l'aurait certainement taillé autrement, mais toujours d'une très bonne manière. J'entends par là que, mais je crois que je l'ai déjà dit au sujet de la taille des rosiers, la taille, c'est aussi une affaire de sensibilité, et chacun va s'exprimer sur une opération de taille de manière distincte, hein, de manière propre, tout en étant dans les clous, hein, sur le plan technique, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas forcément une bonne manière de tailler, il y en a plein, chacun la sienne, quoi. Voilà, ça c'est important aussi de le comprendre. Théo, au suivant, ça marche. Allez Théo, je te propose de traiter ce Dodzia de la même manière que Quentin a traité le précédent. On distingue très bien les jeunes rameaux ici, hein, du vieux bois. On démarre de la terminaison, on suit jusqu'à ce qu'on rencontre un jeune rameau. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la coupe dans un premier temps, tout simplement. Hein.
Voilà, donc Théo est en train de faire un travail de sélection des rameaux. Encore une fois, le plus vieux bois est très facile à identifier chez le Dodzia. Le bois un peu plus jeune va être teinté un peu rougeâtre et il est facile à distinguer. Oui, oui, tu peux y aller sur celle-là sans problème. Tu as coupé celle-là comme elle passe à travers ? On peut couper puisqu'elle rentre dans l'arbuste, effectivement. Voilà, on va laisser un peu entrer la lumière dans l'arbuste. Voilà. Ouais, très bien, on a une belle mise en évidence ici des jeunes rameaux qui ont été dégagés par l'opération de taille de Théo. On en a encore une ici, voilà. J'en ai encore deux derrière, là. Ça, c'est magnifique, hein. Ça, c'est de la floraison garantie pour l'année prochaine. Et il y aura probablement encore des départs sur les branches qui ont été raccourcies, donc, qui ont quand même fleuri cette année et qui sont raccourcies par les soins de Théo. Ces rameaux-là vont probablement... Voilà, supporter des nouvelles branches qui fleuriront également l'année prochaine. Hein. Encore une fois, hein, le Dodzia, la démonstration n'est pas à faire. Vous hein, voyez, tout ça, c'était fleuri. Et ces Dodzia ont été taillés de la même manière l'année dernière. Hein, voilà. S'il fallait une preuve concrète, disons, des bienfaits de cette technique de taille et de cette époque d'intervention, voilà, la démonstration est faite, hein, très clairement. C'est bon ? Satisfait de ta taille ? Oui. Tu peux. Il est vraiment très bien. Nickel. Merci Théo. Merci à toi. Bon, ici on est en présence d'un arbuste voisin de celui qu'on vient de traiter. C'est un autre Dodzia, c'est le Dodzia Scabra, qui a une tendance encore plus basitone, enfin avec une basitonie plus marquée encore que le Dodzia Mont-Rose hein, dont on vient de s'occuper. Et voilà, les garçons vont s'en occuper, alors un peu sur le même principe. Vous voyez ici du très très vieux bois, on le voit très très bien, hein. Il est, l'écorce est ridée et puis a tendance à voilà, avoir une exfoliation assez marquée. Et de la souche, voilà, on voit ici une très très jeune pousse là, qui est en train de redémarrer, il y en a d'autres. Hein. Voilà, ici à l'intérieur, là, tout ça c'est du très jeune bois. Et donc il va y avoir un travail de sélection de ces rameaux à réaliser. Quoi. Voilà, donc les gars ici vont se livrer à une sélection des rameaux en fonction de leur âge. Les très très vieilles branches seront recépées à la souche complètement. Et le bois un peu plus vieux, porteur de rameaux plus jeunes, ce bois-là sera sectionné, voilà, Théo est en train de le faire, de manière ici... à conserver cette branche-là qui est plus jeune et éliminer la partie plus vieille au-dessus. Voilà. Donc on va conserver une partie du vieux bois, comme ici, en petite partie. Le reste, on le recèpe à la souche pour favoriser, encore une fois, la repercée, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, la repercée de nouvelles branches depuis la souche, quoi, hein, toute neuve. Hein, voilà. Voilà, on a clairement un arbuste qui commence à bien s'éclaircir, la lumière rentre dedans, ces jeunes rameaux-là vont bénéficier de cette lumière, c'est magnifique, hein. Ça va clairement porter la floraison de l'année prochaine, et on voit ici les coupes qui ont été réalisées sur le vieux bois, là je dirais qu'on est vraiment en train d'assister à un travail de taille réalisé dans les règles de l'art, je peux pas le dire mieux, hein. Enfin, c'est vraiment excellent, bravo les gars. Ça je garde pas, tu vois. Moi, je garde pas cette longueur-là. Celle-là ouais, il y a trop peu de bénéfices. Ouais, j'ai coupé là, en fait. Celle-là. Mais celle-là, il faut la raccourcir, franchement. Celle-là, Daniel, je peux la... Même là, ouais, car, franchement. Celle-là, ouais. Daniel, je peux la... Ouais, c'est pareil, tu la gardes ici quelque ici. Part, quoi, voilà. Voilà. C'est pas la peine de... Voilà. C'est ça qui doit terminer le truc. Voilà. Beaucoup plus donc vert, ces quoi. Terminaisons-là, voilà, il faut les raccourcir. Bien, vous êtes content de ce que vous avez fait, ouais. Ça va. Donc, si on résume, vieux bois ici, d'ailleurs, voilà, hein, voilà, l'écorce qui part comme du papier, vieux bois, clairement raccourci, gardé quand même en partie parce qu'il est porteur d'une jeune pousse qui, elle, va porter les fleurs l'année prochaine. Grosso modo...
On a aussi enlevé quelques vieilles branches depuis la base. On va favoriser le développement de ces jeunes rameaux-là qu'on voit ici en travers, voilà, un peu par transparence. Ça, c'est une plante qui va se reconditionner tout au long de l'année à venir, hein, jusqu'à la mi-mai prochaine à peu près. Et puis, les fleurs vont se développer. Et je dirais que fin mai, début juin, voilà, c'est une plante qui va de nouveau fleurir énormément comme ça a été le cas cette année quoi. Donc là bravo, encore une fois, cette plante me paraît très très bien taillée, vraiment, je le redis, dans les règles de l'art. Donc voilà, ici on voit bien la souche qui est éclaircie, hein, de manière assez importante. Voilà, ici il y a une coupe par exemple qui a été réalisée à ras de la souche, hein. Et ça va encore une fois favoriser le départ de ce type de rameaux, je le répète, hein, c'est vraiment important. On distingue ici des rameaux assez jeunes, là, voilà, tout ça c'est très jeune, d'ailleurs c'est beaucoup moins épais en termes de section, et c'est pas tout à fait la même couleur que ce bois-là. Donc on en garde quelques-unes, hein, et puis au fil des ans, probablement que l'année prochaine, disons, ces rameaux-là ici, beaucoup plus vieux, seront, ou celui-ci par exemple, seront supprimés. Et ceux-ci, par contre, auront pris un petit peu d'âge, hein, seront plus rouges, plus ligneux aussi, hein, voilà, ils vont faire du bois, quoi, clairement. Hein. Et puis, d'année en année, comme ça, on essaye d'assurer un renouvellement un petit peu de la souche. Le plus vieux bois disparaît au profit du plus jeune. Et si ces arbustes-là sont suivis régulièrement, vous n'aurez pas ce qu'on peut trouver parfois sur des massifs voilà, qui sont traités de manière un peu plus rapide, disons. Vous n'aurez pas une espèce d'amas de branches inextricables telles que les dodzia peuvent les présenter parfois, quoi. Et ça garantit encore une fois une floraison tout à fait abondante, quoi. Ça, c'est aussi important de le comprendre. Avant de vous quitter, je me rapproche de ce magnifique massif d'Hydrangea Annabelle, et je vous renvoie donc vers l'épisode 49, me semble-t-il, hein, l'épisode précédent dans lequel je vous expliquais la manière dont avait été taillé. Je vous montrais, hein, le même massif qui avait été vraiment taillé très sévèrement. Bah voilà, je vous laisse apprécier le résultat. Puisque c'est quand même bien quand c'est suivi d'un résultat. Ça fonctionne très très bien, quoi. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette vidéo du potager qui dit non. Je vous retrouve très bientôt sur le potager à proprement parler. J'ai tourné un petit peu moins en début de saison parce que je fonctionne sur les mêmes recettes, on va le dire comme ça, que l'année dernière. Et si j'ai rien de nouveau à vous montrer, ben je ne tourne pas, tout simplement. Mais il y a quelques petits changements quand même dont je voudrais vous faire part. Ce sera dans le cadre d'une prochaine vidéo sur le potager à proprement parler. Je suis vraiment content de la collaboration voilà, de deux de mes élèves ici pour ce film-là. C'était vraiment sympa de pouvoir montrer aussi qu'il y a des jeunes qui sont vraiment motivés, intéressés par ce métier et qui sont motivés pour mobiliser ces fameuses règles de l'art, hein, et puis travailler vraiment dans le respect du végétal. Il s'agit ici de taille raisonnée, hein, on peut vraiment parler de ça. Et à ce titre, je vous invite vraiment à parcourir, ou mieux, à vous procurer deux bouquins de Pascal Prieur qui s'appellent « Les fondamentaux de la taille raisonnée » pour l'un des deux volumes, et La pratique de la taille raisonnée pour l'autre. Ce sont vraiment des ouvrages indispensables. Hein. Je crois que c'est Pascal Prieur, c'est le patron, hein. Enfin les arbusticulteurs, le groupe de personnes qui s'intéressent à la taille auquel Pascal Prieur appartient, je crois que ces gens-là ont tout compris. Voilà, c'est vraiment, intéressez-vous à ces ouvrages, vraiment, c'est fort intéressant, et ce sera le moyen peut-être pour vous d'entretenir encore mieux vos arbustes, encore une fois dans le respect de leur développement, de leur période de floraison et de leur modèle de croissance respectif. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.